Miss France 2023, deux candidates tatouées, des alas symboliques très particulières, photo. Ce samedi 17 décembre 2022, c'est l'événement sur TF1. Alors que la finale de la Coupe du Monde à laquelle participe l'équipe de France est attendue dimanche. C'est une toute autre compétition qui se joue, l'élection Miss France. En effet, après des mois de préparation, les 30 candidates en lice vont enfin pouvoir se défendre. La cérémonie aura lieu dans la salle de spectacle Monsieur à Chemin 36 située dans la ville de Déols. Au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire où a déjà été élue Maëva Cook en 2018. Et cette année, il y aura du changement. Les prétendantes au titre que détient encore pour quelques heures Diane Lair ont notamment eu davantage de liberté au niveau des critères de participation. À son arrivée à la tête de la présidence de la société, Alexia Laroche-Joubert avait par exemple autorisé les jeunes femmes mariées et même mamans à participer au concours. En outre, ce sont les tatouages qui sont désormais acceptés, du moins les petits. Et parmi toutes les Miss régionales, elles sont deux à en détenir. Stylo Diva Place Holder à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, At Media Screen End, minimum 8 990px, Div. À Place Holder à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, Style. Stylo Diva Place Holder à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, At Media Screen End, minimum 8 990px, Div. À Place Holder à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, Style. Il y a d'abord Cameron Vallière, qui a été élue Miss Languedoc 2022 le 6 août dernier. Elle est âgée de 23 ans, mesure 1,74 m et nous vient de Nîmes où elle poursuit actuellement un Master 2 en marketing et communication. Mais surtout, la sublime brune a un petit tatouage au creux du poignet. Celui-ci semble représenter une date certainement symbolique. C'est également Agathe Coe qui a craqué pour un indélébile. Cette infirmière de 23 ans qui représentera le Nord-Pas-de-Calais l'a réalisé en mémoire d'un lourd problème de santé dont elle s'est bien heureusement remise. J'ai eu une tumeur à l'âge de 17 ans. J'ai aujourd'hui un ovaire en moins. Ce tatouage le représente. Avait expliqué celle qui est le mélange parfait entre Camille Isser et Iris Mittenaer à la Voix du Nord. Mais Cameron Vallière et Agathe Coe vont-elles toutefois pouvoir afficher leur tatouage au moment de défiler, selon Alexia Laroche-Joubert. Le choix revient aux principales intéressées. Nous avons des techniques pour cacher les tatouages mais la Miss fera comme elle le souhaite, a-t-elle assuré.